Jeudi à ce jeudi 30 décembre, c'est un plaisir, les amis, pour que nous capables ensemble pour nous étudier l'autre partie dans le cadre d'études pour ce maintenant. Mais bien avant même que nous entrions dans la portion d'études que nous avons aujourd'hui, nous prions le Seigneur. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons, nous disons merci pour tout ce qu'on fait pour nous et pour ça encore qu'on a réalisé dans la vie. Tandis que le moment arrivé, côté que nous allons étudier ensemble l'autre portion dans le cadre d'études ce maintenant. Je demande déjà au Dieu qu'on puisse ouvrir l'intelligence pour nous comprendre et arriver à mettre en application parole ou faire grâce. Nous prions comme ça dans nos Jésus. Amen. Moi, je remercie aux amis pour l'effort ou consenti chaque jour pour capable étudier le son de l'école du sabbat. Et pas oublier, chaque fois que vous venez étudier, moi, encourage pour capable partager le son ça avec entourage et qu'on soit plus monde capable d'arriver à étudier le son de l'école du sabbat. Et pas oublier, si vous n'avez pas de abonner, moi encourage vous faire ça et encourager entourage vous faire même gens ensemble avec vous. Comme nous connaissons et nous avons un nouveau trimestre, nous avons l'autre guide d'études et qui vient comme titre en ces derniers jours le message de la lettre aux Hébreux. C'est thème ça pendant le trimestre n'a bien pour nous capable développer ensemble. Mais semaine ça nous tenons et première leçon, c'est la première leçon même que nous y est. Eh bien, qui porte le titre la lettre aux Hébreux et à nous. C'est thème ça nous avons développé ensemble pendant toute semaine. Et verset nous gain pour nous mémoriser. Dans la version française, elle dit comme ça. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ces versets, ça nous vient pour nous mémoriser pour ce maintenant. Mais dans la version créole, elle dit comme ça. Mais nous avons besoin de patience pour nous faire ça, bon Dieu voulait. Pour nous recevoir ça te promet là, mais nous besoin patience pour nous faire volonté bon Dieu, pour nous recevoir ça te promet là. C'est verset ça. Pendant ce maintenant moi ensemble avec nous gain pour que nous capable mémoriser qui c'est Hébreux chapitre 10 verset 36. Jodi a nous parler ensemble partie leçon qui titré en ces derniers temps. En ces derniers temps, c'est partie leçon ça que nous voyons ensemble. Et la version créole là nous sommes capables de dire comme ça, et bien dernier temps ça yo, et c'est thème ça que nous voyons ensemble aujourd'hui. Et bien nous voyons lire quelques textes et que nous jeunes dans le livre Hébreux et nous voyons regarder sous qui ça Paul lui même il mettait accent plus particulièrement concernant ça qui a rapport avec fin temps ou bien dernier temps qui n'a vu aujourd'hui. Premier texte ça c'est Hébreux chapitre 1 verset 2. Mais qui ça dit? Mais dans dernier jour ça yo, c'est petite li a même bon Dieu te voyé parler à nous nan non li. C'est à petite ça bon Dieu te créé tout bagaille, c'est lui même tout bon Dieu choisi pour hériter tout bagaille, les ça va finir net. Yon l'autre texte encore c'est Hébreux chapitre 9 verset 26 pour arriver dans verset 28. Si c'est pas ça, l'état obligé souffrir plusieurs fois tout depuis les bon Dieu t'a créé toute bagaille. Mais kou l'a les toute bagaille prêt pour fini, les paraît une seule fois, les bail tête li tant qu'au bœuf yo offri pour été péché et puis les fini. Tout monde gain pour mourir une seule fois, après ça bon Dieu gain pour juger. Comme ça tout Christ l'a offri tête li pour lui mourir une seule fois pour être péché en plein monde. Il gagne pour le tourner une deuxième fois. Mais les ça, c'est pas pour être péché nous, c'est va pour délivrer tout le monde qu'a tant li. Yon l'autre texte encore c'est Hébreux chapitre 10 verset 25 et 36 à 38. Pas pour exemple sur monde qui prend habitude pas venir en réunion nous. Au contraire, c'est pour nous encourager l'autre fait ça. Koulia puis plus passer avant parce que nous juste Seigneur approcher. Mais nous besoin patience pour nous faire ça bon Dieu veut, pour nous recevoir ça te promet là. Parce que mais ça qui écrit dans livre là. Dans un petit temps encore et pas gain pour longtemps même, monde qui gain pour venir a venir, il pas prend retard encore. Monde moins fait grâce là a vivre. Parce qu'il y a confiance dans moi. Mais s'il vire d'ol, tout ne fait bac,
li pa fè kèm kontan. E denye tekst nou pral li a se Hébreux chapitre 12 verset 25 pou rive nan verset 28. Veye kon nou, pa refize koute parol moun ka pale ak nou. Moun ki te refize koute parol moun ki ta ba yo avertisman bon Dieu sou la tè, yo pa chapi an ba chantiman. Nou pa bezwen mande si nou menm nou ka delivre si nou vire do bay. Moun ka pale ak nou an tan nan siel la. Nan tan lontan, le bon Dieu te pale, tè a te tremble. Men koun li a, li fè nou promes sa. Yon lot fwa, se pa la tè a se ma fè tremble. Ma fè siel la tremble tout. Le di yon lot fwa, li fè nou kompren. Le sa, se tout bagay bon Dieu te kreye yo ki pral tremble. Yo pral disparèt kon sa se bagay ki bien fèm yo kapwete. Peyi wa nou resevwa pou eritaj la, pa ka branen. Se pou nou dil mersi pou sa, an fè wè pou nou pa bliye sa li te fè pou nou. An servi bon Dieu yon jan ki pou fèl plezi ak respè avèk krent. Eh bien, lè nou gade tout tek sa yo, ansanm d'avètisman ke Paul li bay konsènan fin tan, nou jwenn kek eleman ki trè trè enpòtan ki apòt la li menm li souliye. Paske nou wè egzòtasyon li an, se yon egzòtasyon d'urjans ke li menm li. Li raple lektè yo, se la di moun kap li parol li yo, liv sa menm ki se epit aux Hébreux, ke yo a la fin de tan. E promes ke bon Dieu te fè yo, promes sa pral jwenn akomplisman. Se la di nou wè konbyen li enpòtan pou nou kapab, rete vigilant pour nous rester attentif parce que promesse bon Dieu yo pral accompli dans vie nous. Et li intéressant pour nous Jean nous pral wel dans pendant tout trimestre ça dans livre ça qui c'est Épître aux Hébreux, Paul comparé audience li à génération des airs, c'est-à-dire époque là. Paul t'a écrit par là, il comparé là avec peuple bon Dieu qui t'est trouvé les sous frontière pour te entrer Canaan, peuple ça qui était passé des années dans le désert là pour rentrer Canaan. Et bien Paul t'a essayé faire comparaison entre peuple dans l'époque par là avec peuple qui était dans désert. Li rappelé yon l'autre fois encore dans petit crastan moun ki gen pour venir, li pral vini. C'est-à-dire li pa prend retard, il faut que nous préparer nous. Qui est-ce qui est pour venir chercher nous? C'est Jésus-Christ. Non, ti kastan. Jésus pral vini même ensemble avec vous. Nous besoin préparer nous en conséquence. C'est-à-dire pas gain temps pour que même ensemble avec vous, nous abdominer. Après ça, li encourager yo pour nan mitan moun ki pour nous pas faire partie de moun sa yo qui pral perdi. Parce que nous ça dans Hébreux 10:39. C'est-à-dire, nous pas faire partie des monde qui parle perdu, mais nous faire partie des monde qui gagne la foi pour qu'il soit capable de sauver nan yo. Et bien, exhortation finale là, rappeler lecteur yo à nous-mêmes danger que peuple bon Dieu a été rencontré dans le passé avant même que bon Dieu t'ait accompli promesse qu'il t'ait fait yo, c'est-à-dire de tout temps peuple bon Dieu avant même que promesse bon Dieu accompli dans la ville, il est toujours connu des moments difficiles. Et nous dans livre Nombre yo parlé de ça, histoire biblique de raconter lorsque peuple a entré dans terre que bon Dieu te remet la balia qui va les difficultés que peuple a lui-même été rencontré. Peuple a été connu plusieurs défaites. Première fois, les nous dans Nombre chapitre 13 et Nombre chapitre 14, nous c'était à propos de doute que peuple a lui-même été gagné. Peuple a pas croire que bon Dieu kabali Canaan et qui ça a été fait, il était révolté contre Moïse, il était révolté contre Aaron. Et révolté tout contre espions yo et la deux qui était gagné Josué avec Caleb qui te fait comprendre que bon Dieu kabayo terre promise. Mais nous au lieu pour être d'accord pour te manifester foi dans bon Dieu pour bon Dieu bailler territoire ça, mais nous yo te choisi opposé ensemble avec monsieur ça, yo te préféré choisi yon nouveau chef pour capable mener yo pour retourner en Égypte. J'ai préféré nommer un autre chef pour retourner en Égypte. Deuxième fois, nous les Israélites ont entré dans péché. Nous ont tombé dans péché parce que le peuple là, lorsque
Et bien, Balaam, tu as besoin et tu as besoin maudit peuple là. Et bien, Balak, tu as besoin maudit peuple là. Et bien, il te relève Balaam. Pour Balaam, tu es capable de faire ça. Mais nous, Balaam pas capable de maudire le peuple là parce que le peuple a déjà reçu la bénédiction de Dieu. Mais qui ça nous est, eh bien, Balaam même il fait, eh bien, il était écouté conseil Balak, eh bien, pour que il te prenne peuple ça, eh bien, il mélangeait yo, eh bien, peuple là a tombé non sans de péché. Non seulement peuple a tombé dans péché d'adoration, mais peuple là va tomber tout dans péché, eh bien, ça nous est les fornication, eh bien, tout peuple là tombé dans désordre. C'est-à-dire nous est Paul encourageait le peuple là, et bien peuple hébreu, pour que eux-mêmes n'aient pas tombé dans le même péché immoralité ça. Et nous encore les encourager pour que soient capables d'obéir ensemble avec parole que dirigeant yo abaille aux paroles, et bien que dirigeant ba en tant que conseil, et bien eux-mêmes pour que soient capables, et bien suivre. C'est-à-dire nous le son aujourd'hui a montré nous dans les derniers temps, c'est pour nous faire en sorte que nous éviter yo ensemble de péché. Ensemble, tout péché, mais tout ça nous capable faire qui va dans la volonté de bon Dieu. Et il encourage encore pour que vous ne pas abandonner l'église, pour que vous restez dans l'assemblée que vous-même vous adorez. Et il montre tout c'est pour vous capable obéir avec enseignement que dirigeant l'église et bien qui dans volonté de bon Dieu. Tout ça veut dire qui dans volonté de bon Dieu, il faut que vous-même vous capable obéir ensemble avec vous. Et bien, réflexion que nous avons pour la journée. Là nous considérer compréhension nous sur état monde qui mourir yo condition monde qui mourir yo et bien et les nous fermer genoux prochain bagaille que nous va on t'a dit et prochaine fois que nous va gagner conscience et bien c'est retour Christ là qui va le faire parce que l'homme mourir ou inconscient va connaître mais prochaine fois que conscience va pas retourner sur et bien c'est pour le retour Christ là et bien pour qui ça nous dit que tout monde ça yo yo te viv nan denye tan yo ou ben yo te viv nan denye jou. C'est-à-dire, eh bien, essayez réfléchir et puis non et non commentaire ou capable dire ou même qui ça ou penser. Eh bien, en gros, c'était parti les sons ça qui est après ensemble jeudi a qui c'est jeudi eh bien 30 décembre qui porte titre en ces derniers temps. Avant même que nous allions, en nous prier bon Dieu. Merci bon papa pour parole ou aidez-nous pour que nous capable mettre en application et l'on va venir. On va traiter nous comme des bons et des fidèles serviteurs. Nous pas bon juste pas gagner mérite même pour concerner nous Jésus. Amen. Les gens, je vous souhaite une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.